LCS et des playoffs, hein, toujours le même BO, le meilleur BO pour les meilleurs casters. On le rappelle, H2K contre Fnatic, tout simplement la draft qui va démarrer entre les deux équipes. 1-0 pour Fnatic jusque là. Moi j'ai prévu un 3-1 pour H2K. Et Wax a prévu l'inverse. Du coup, quoi qu'il arrive, prochaine game. Prochaine game, on sait qui. À part si Fnatic gagne. Ouais. Si Fnatic gagne, ton prono est mort. C'est ça. Mais effectivement, si H2K gagne, ça peut toujours aller dans les deux sens. Pour l'instant, c'est pas trop. En tout cas, Fnatic qui est red side cette fois-ci, on part pour l'instant sur exactement les mêmes bans pour les deux équipes. Il y a normalement le Shane qui devrait suivre pour H2K, à part si peut-être on veut le sécuriser assez tôt dans la draft. C'est ça, on peut le first pick hein, du côté de H2K. Du coup, on peut peut-être éviter de le ban autre chose qui nous a causé problème. Peut-être la Leblanc de Caps. La hélice de Broxa et sécuriser ce first pick chain qui l'enlèverait à Soaz et le mettrait sur Doamné. Non, ils vont ban le chain quand même. Ils veulent peut-être du coup la hélice ou la Leblanc pour faire Beaven ou Broxa tout simplement. Junkos pardon tout simplement. Et on va voir ce que ça va donner ce changement de side pour H2K. Qu'on voit les coachs avec leur petit livret hein, avec leur stratégie dedans. Le Malzahar qui est sorti pour Fnatic. First pick Leblanc pour Fabivan. Alors maintenant, est-ce que Caps a quelque chose à y répondre à cette Leblanc? Est-ce qu'il est serein sur le match-up? Est-ce qu'il prendrait pas peut-être une Syndra aussi pour faire le match-up opposé et pour montrer à Fabivan qu'il est capable d'avoir au moins autant d'impact que lui en jouant Syndra? Fabivan avait un impact assez fort. Oui, assez élevé quand même. Donc autant pas prendre le risque et partir sur un pick que l'on maîtrise. Après, je trouve que Leblanc en ce moment, c'est l'un des meilleurs midliners, tout simplement. C'est tout le temps insta-log, insta-pick, directement, on se pose pas de questions. On l'a blind pick, y a pas trop de counter avec ce nouveau build. En fait, tu joues pas trop le 1v1. Ouais, c'est parce ça. Que le 1v1, tu te fais un peu en général détruire, mais tu joues plus les roam et tu rends fou les adversaires. Ça a énormément de value et du coup, on l'a blind pick déjà dans les deux games. On a un Ryze qui va être lock du côté de Caps. On se rappelle hein, que le Ryze de Caps en début de split, c'était insane. Hein, avant que le perso se fasse nerf, il avait solo kill deux fois perk son 1v1. Il est vraiment extrêmement solide dessus. C'est un peu le pick qui, quand on croisait en solo queue, c'était moi honnêtement, c'est quand je l'ai vu sur Ryze que j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il prouillait pas au LCS, tu vois. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui étaient comme ça. En tout cas, après le pick, il s'est fait un peu nerf depuis. Donc à voir s'il arrivera à avoir autant d'impact. Le Gragas qui va être pris cette fois-ci probablement pour Odoamné. Odoamné qui a pas apprécié sa game. Odoamné qui veut plus faire bolos. Hein, là, il a fait 0-7-0 je crois la game d'avant. Du coup, clairement il a dit je veux plus jouer Nautilus s'il vous plaît. Et du coup le Ryze d'ailleurs je voulais en parler parce qu'il a été rejoué en fin de split. Je crois d'ailleurs par Caps ou un autre midliner malgré les nerfs. Il avait été rejoué, ils avaient gagné justement. Ah, je crois que c'était POE. Oui, il avait rejoué Ryze. Ils avaient gagné là, cette game justement. Et du coup, je pense que c'est encore jouable. C'est encore jouable, c'est juste que c'est moins fort qu'avant. Après, le perso reste jouable. En tout cas, choix étonnant. On pique un Ezreal pour Nuclear. En gros, on force un peu Fnatic à soit pique l'ADC maintenant, soit aller chercher justement un autre pick et du coup, potentiellement se faire ban des AD. Mais je pense que là, H2K est un peu obligé d'aller ban au moins H. Et potentiellement Caitlyn. Ouh, un trash pour Jayzeez. Jayzeez, franchement, son champion pool me fait plaisir, tu vois. Genre, plus on avance dans le split, plus il joue des trucs comme Zyra, comme Camille, comme Thresh, des trucs qui sont très agressifs. Et il se limite pas à jouer, entre guillemets, des Nami, ce genre de choses. Donc, clairement, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut à Fnatic, d'avoir un support playmaker pour Reckless. Et pour l'instant, il remplit assez bien son rôle, donc je suis assez content. La Kalista qui est sortie, effectivement. Le combo Kalista-Thresh, une botlane extrêmement solide. Un ban très très intelligent je pense pour H2K parce qu'en plus de ça Kalista est très fort contre Ezreal. La lane aurait été extrêmement dure. Du coup ouais, le pick autant le ban. Est-ce qu'ils vont ban Lucian? Ça cause autant de problèmes. C'est la question que je me pose, qu'en gros Lucian démolit Ezreal en lane et surtout quand il est aidé de Thresh. En gros, ça synergise bien avec Thresh aussi donc. Ouais ça c'est très. En fait c'est une botlane très agressive. Et Reckless de toute façon il est bon sur absolument tous les champs. Donc s'ils mettent un ban Kalista, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent un ban Lucian derrière. On va voir. Le seul truc, c'est vraiment pour éviter des lanes très très compliquées. Sachant que c'est fini là. J'essaie de l'éteindre, mec, mais il veut pas. Ok, voilà. Appuyez sur la touche pour éteindre un peu. Le téléphone de Kameto, j'avais se fait spammer par quelqu'un, je sais pas qui. Je sais pas qui, mais bon, tranquille. Oh non, ça va être un ban Twitch. Ok, on va respecter énormément le Twitch de Reckless. Hein. Ils ont vu que ça a causé des problèmes, ils veulent pas. Ils veulent pas réitérer ce qui s'est passé avant. En général, genre depuis quand c'est un peu invisible, un peu chiant comme ça. Tu les écartes directement, tu veux pas prendre de risques, tu veux pas te faire chier à toujours faire gaffe au Twitch et tout. T'as envie de voir les champions, ouais. Du coup, t'es en mode hop, on le ban et on va jouer la game normalement. On a la Camille de Soaz qui va être lock.
Cette fois-ci, on est sûr qu'il y a les top lane, hein, il n'y a pas de... C'est ça. Là, il n'y a pas de flex pick, hein, c'est impossible. À part si peut-être Reckless nous sort un très chalet, mais, mais effectivement, non, il n'y a pas de flex pick en soi. Et Reckless qui se fait le petit luxe, hein, de last pick son AD, c'est quelque chose qui arrive rarement et qui fait extrêmement plaisir. Le Kha'Zix qui a été pris pour Jankos, du coup, ce serait évidemment un Gragas en top lane contre cette Camille sur Soaz. Voilà, directement, hein, le Rengar qui va pas être pick, on veut avoir un peu plus de pression en early game. Et de possibilités d'agir. Tahm Kench serait intéressant, ça empêcherait le pick H côté, côté Reckless. Je pense que s'il pick Tahm Kench, là il va plutôt se diriger vers un Lucian à mon avis. Ok. Sur Reckless, après il peut me surprendre. Est-ce que c'est hashtag Wax le menteur ou hashtag Wax dit la vérité? Je sais plus c'était quoi, t'avais dit une lane à Sakor. C'était Lucian. Je crois que c'était Reckless, il jouait Ez et il avait détruit Lucian, mais bon, il y avait des gants et tout. Il y avait full truc comme ça, j'étais en mode ouais, Wax, c'est un menteur et tout. Après, ça reste la bonne lane, tu vois. Encore mieux, effectivement, il peut se permettre de sortir Vayne dans cette situation. Même Vayne est très très bien là-dessus. C'est vrai que ce pick-là, c'est un pick qu'on voyait pas depuis longtemps. Il a le sourire, hein, sur Reckless. Reckless, c'est vraiment le mec, il a tout dans sa main. Vayne, là, c'est bien. Ça n'a pas la meilleure synergie avec Thresh, mais franchement, contre la composition H2K. C'est un pic, genre en last pick, même moi je l'aurais pris, tu vois, j'aurais été en mode vas-y. Voilà mon bon Wax, même lui il l'aurait pris. Non mais genre, tout c'était ça quoi, pour dire... C'était quoi ton pseudo déjà? Vayne... Vayne Effort. Tout ça pour dire que j'ai... ça m'a fait... Tu te moques de mon blast? Non, je rigole bro. Ok, bah, si je regardais une vidéo. Et du coup on a la Vayne de Reckless qui est lock. Mais bon après il y a pas mal de menaces quand même en face. Hein. Non même il si... est bien. Ah ouais? Ouais, il est bien. Là, il est bien en fait. En gros, c'est fort contre les assassins corps à corps. Donc, typiquement, contre Kha'Zix, c'est bien. Contre Leblanc, c'est un peu chiant. Mais ça va. Et après, ça démolit Gragas, Tahm Kench et Ezreal. Après, si Leblanc arrive à la suite, étant donné que maintenant c'est Pistolam, Lich Bane. Leblanc, c'est chiant. Ouais. Max Cuspel. Je pense qu'il peut pas faire grand chose, même s'il arrive à dodge la chaîne. Fabian va avoir beaucoup trop de dégâts juste avec sa Lich Bane, son Pistolam. Ouais, c'est ça. Leblanc, clairement, c'est le pick qui, entre guillemets, embête le plus. Après ça va, parce que t'as quand même des solutions et en soi, quel que soit la dé qu'il prend, contre Leblanc, tu sais, genre s'il est fed, c'est compliqué quoi. C'est ça. Après une Vayne, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que c'est le pick en mode qui a besoin de scale et qui en général prend bien tout le monde. Et en gros, c'est plus de l'outplay en mode tu peux dodge à peu près tout. Mais là, il n'y a rien à dodge en fait contre ce pick, ce nouveau pick Leblanc qui max Cuspel avec la Lich Bane auto-attaque. Ça, tu fais Cuspel, auto, donc normalement il n'y a pas trop de. Gunblade et RQ et Reckless, ça peut dodge la chaîne. C'est un peu comme Syndra. Hein. C'est très très difficile. On a la game qui va démarrer tout de suite entre les deux équipes, Fnatic et H2K. Game numéro 2, est-ce que je vais avoir raison dans mon pronostic ou Wax aura raison? Tout le monde se pose cette question, même les joueurs. Tous dans le chat. Ils sont en mode wow, est-ce qu'il va avoir raison? Est-ce que ça va être 3-1 Fnatic? 3-1 H2K parce qu'il ne peut rien avoir d'autre comme score. Ouais, je les ai entendus et tout sur les casts. D'ailleurs, petite fun fact, si on peut dire. Ouais. Donc, tu connais évidemment Ratirel. Ouais, Ratirel, gros TP Twitch, qui est monté challenger en spamant Twitch de multiples fois, qui avait notamment 90% de winrate en ratio en arrivant master. Enfin, bref. Et donc il a donc vu cette game où Reckless a joué Twitch et il a dit deux choses. Il a dit déjà qu'il comprenait pas comment est-ce qu'il avait réussi à sortir vivant de la phase de lane avec Camille support. Nous on a compris mais... Et il avait dit que si jamais tu t'achetais des items défensifs sur Twitch, t'étais insecure. Ok. Voilà, et ça m'a fait rigoler. Après parle de Reckless quand même. Ratirel, lui c'est le genre de mec, ça, il c'est en mode, il joue Twitch full offense. Et ouais, il peut mourir 15 fois et il sait qu'à un moment il va démolir un teamfight et il va gagner la game. C'est ça, mais bon, malheureusement c'est pas... Ça marche contre Voulou du 9-4 la nuit, surtout qu'il joue que la nuit en plus ce chien. Donc, quand on tout les connaît la game la nuit, les games la nuit contre lui c'est déjà c'est l'enfer, mais bon. Tranquille cette game qui va démarrer entre Fnatic et H2K. Par contre Reckless là qui joue Fervor sur Vayne, j'apprécie beaucoup. Il a start l'âme de Doran, s'il a pas start épée longue. Et les pétrines d'amère qui vient de tomber. En général, ça annonce une bonne game hein, quand les pétrines d'amère tombent. Et effectivement, ça annonce du sang. Hein, ils ont le droit d'avoir le Soul Stealer Vayne. Ouais, bah ouais. Trop de chance. Bah, je sais pas. C'est un skin un peu pour l'élite quoi. Ah ouais, ouais. Avec toi, 10 gemstones et tout, c'est beaucoup. Moi, je l'ai. Ouais, je sais que tu l'as, c'était juste pour que tu t'attaques la phase décisive ou pas. Oh là là, quel giga bro. Après les gens de l'élite et direct. Ouais, moi, je l'ai. En tout cas, ouais, cette petite Vayne qui va être jouée donc du coup de manière assez agressive. Alors j'ai envie de voir le build qu'il va faire. Je pense qu'il va faire genre BRK, item attack speed, probablement danseur fantôme contre leur composition.
Jurakos qui fait une route de jungle assez bizarre, honnêtement. Faire les golems aussi early, bon, il va back 100% après, hein. Y a pas trop d'autres choix. Mais bon, il veut faire un full clear avec un back. C'est assez intéressant, mais bon, ça lui fait perdre pas mal de momentum en early. Après, ça fait une route assez étrange contre une hélice, du coup, elle va pas pouvoir le counter. Mais vous voyez, hein, juste là, il va back, il va prendre une long sword, une pink, et il va aller clear son top side. En vrai, c'est pas trop mal, parce que ça lui clear tout son bot side. Du coup, il a plus jamais à revenir bot pour clear sa jungle. Et il peut s'occuper justement d'aller invade cette hélice en top side. Peut-être voler ses golems, étant donné qu'on sait que la hélice, elle va pas faire ça, et elle va laisser ses golems. Et vu que la game d'avant il s'est fait voler ses golems justement comme ça, bah là il s'est dit tu as rien volé, je vais les faire directement. Et là il va aller clear son topside avec sa longsword et sa pink comme annoncé précédemment. Oh. Et du coup bah, en fait avec Kha'Zix t'as un peu du mal à full clear en étant full HP, full mana. En général c'est très 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 dur. Du coup là il a fait un semi full clear. Et là il va continuer sur le topside, il va faire son bleu. Et il va être full HP, full mana, avec une longue sword en plus. Et ça va pas lui, il va pas être trop en retard par rapport à Elise. Elise elle est level 4, ok, mais bon, lui il va être level 4 dans un camp. Et il va avoir une longue sword, il va être full HP, full mana. Oh, et du coup il va combler ce retard en un game. Et tu vois, Broxah qui voulait voler les golems. Après Broxah il a pris la plante, il savait qu'il y avait pas de golem, mais il a été vu du coup en prenant cette plante. Parce que bah, ça se voit tout simplement sur la minimap, il va agir en botlane, il va rien pouvoir faire je pense. Ouh là là, Nuclear qui va se faire manger par Chat, son très bonne condamne là-dessus sur Shesh qui prend énormément de dégâts, l'huile qui est utilisée, ça va pas, et plus loin Broxah qui va rappel pour esquiver le Q-spell de Nuclear, et ça force quand même deux summoners côté H2K, notamment de ce flash et ce heal, et ça met surtout beaucoup de dégâts. En plus de ça, Nuclear a entre guillemets un peu paniqué sur le move, il a utilisé sa potion instantanément, du coup il est en train de overheal. Et c'est un peu une 50 gold aussi comme ça qui sont données à Fnatic. Ah là là, il a l'œil, hein, notre bro Wax, il l'a vu directement, c'est cette potion qui a été utilisée. Du coup, on a Jankos qui va se permettre d'aller invade la jungle adverse. Il a 10 CS d'avance, il sait que les golems sont pas clear, hein, parce que t'as juste à regarder le nombre de CS de Broxah vu qu'il a grand bot. Et après, tu le sais directement. Il y a les Corbin qui rip-up parce que les siens rip-up à ce timer là. Forcément, la Elise a start au Corbin et il va les voler. Attention, on a l'arrivée de Caps, il va pas pouvoir tous les voler, il en a volé qu'un, donc du coup, c'est pas fameux. Chose, hein. Et attention, on a Caps qui va essayer de collapse, la cage qui va passer sur Jankos qui va prendre pas mal de dégâts. On a l'arrivée de Soaz, Jankos qui va être forcé de flash out. Oh là là, la plante qui a été récupérée par Caps et ça va lui offrir le first blood tout simplement. En gros, il a pris la plante, du coup, ça a ramené Jankos. Trop fort, Caps qui flash in là-dessus. Il prend la plante justement pour éviter que Jankos la prenne et qu'il les éloigne. Il ramène tout le monde. De l'autre, enfin dans la river tout simplement, ça permet de récupérer ce first blood, il utilise ses deux summoners pour prendre ce kill, mais clairement il est content parce qu'il perd une petite wave quand même pendant sa décale, et là surtout il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il a certes récupéré ce first blood et ce kill sur Jankos, mais il a pas utilisé ses gold encore, et pendant ce temps Fabivan lui a absolument tous ses summoners. Bon, on revoit ce move, Jankos c'est un peu trop avancé. C'est sûrement un call de Broxah, hein. Il a juste dû dire Jankos c'est un Everest les gars, est-ce que vous pouvez aller faire quelque chose. Et Caps directement il s'est dit, il y a un petit first blood avec un flash in, il prend flash la plante. Il prend la plante. Très intelligent. Ah, là, c'était vraiment bien joué de la part très de Caps. Intelligent de sa part. Cette petite ward qui a carry en tout cas, ça lui permet de flash in, de prendre la plante instantanément et de ne pas perdre un petit peu plus de temps pour aller cliquer sur cette plante qui aurait permis à Jankos de justement traverser. Quelle clairvoyance hein, de la part de Caps. Trop fort, Rick. En vrai, là, c'était vraiment bien joué. Parce que moi, je pensais qu'il avait pris la plante avant de. De flash ? Ouais, de flash. Mais non, il a directement flash in. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait prendre la plante directement. C'était la seule façon dont Jankos pouvait s'en sortir. Et bah, il a réussi à le faire. Il a récupéré le first blood et ça va lui donner un certain confort hein, sur ce rise. Et il se doute hein, que Fabivan. Il est effectivement Fabivan. Enfin, du coup, Caps a posé cette ward pour avoir la position sur Fabivan. Il l'avait vu rentrer dans cette jungle, il l'avait pas vu ressortir. Pendant ce temps en botlane, Rikles qui est assez bien sur sa veine, il a un petit peu d'avance en CS, Caps et Fabivan qui prennent un gros trade, Caps qui a plus l'ultimate, tu peux continuer à trade Fabivan a plus de CD, ouais, là Fabivan n'a plus de CD. Ouais bon c'est un trade assez even, Jankos qui va faire ses golems, Jankos qui est un peu dans la merde du coup, parce que quand tu meurs avec Kha'Zix en early c'est... Voilà, il avait toute sa jungle de clear, du coup il a pas perdu grand chose, juste donner un first blood à Caps, hein, mais... Lui-même ça le met pas très bien, parce que ça lui enlève des opportunités, et avec Kha'Zix... Faut jamais être en retard en fait, faut toujours être en avance et avoir l'ascendant sur l'ennemi pour prendre la vision dans la jungle adverse, faire des trappes. Et on sait que Kha'Zix, quand tu trappes quelqu'un en général, bah le mec prend très cher. Il meurt assez rapidement, effectivement. Rekkles qui est en train de farmer tranquillement sur cette bot lane, 60 CS à 7 minutes, c'est plutôt pas mal. Il est pas parti sur du life steal parce qu'il sait qu'il a une lane très facile et qu'il n'y a pas vraiment d'agression possible, du coup il décide de partir sur l'arc courbe et donc il va bien faire une BRK avec sa Vayne.
il va tout simplement scale tranquillement. Soas qui s'en sort bien sur sa top lane, il a pas une avance aussi conséquente que la game précédente. Ouais, il a eu une petite assist là sur il loot scale de manière assez prononcée. Ah, sachant que Gragas parti sur triple d'Oran, bon c'est le build normal hein, le triple d'Oran. Ne soyez pas choqués, mais contre triple d'Oran c'est en général dur d'avoir une très grande avance hein, sur ce genre de d'AP tank comme Nautilus, Gragas. Attention, on a Broxah qui va aller invade la jungle adverse, il va mettre de la vision et il va rencontrer Jankos au crap. Oh, s'il l'a pas, il a trop oh le seum. Oh, le pauvre Jankos. Oh, qu'est-ce qu'il a le seum. J'aimerais bien voir la barre d'XP de Jankos pour savoir si c'était clear de. Enfin, c'était. Il est à 0. Ah, il a 0, ok. Ah, mais il vient de passer level 6. Ok, ouais, ça. Ouais, ok, je me disais aussi, c'est chelou quand même. Ouais, effectivement. Qu'il soit à 0, il a pas un level. Enfin, il peut pas avoir autant de retard en XP vu qu'il a full clear depuis le début, mais bon. Du coup, ça va en fait. S'il arrive à prendre son level 6 sur la lane. C'est ok, bon il se fait voler son gromp, c'est normal. En plus, il peut rien faire sur ce matchup en early. Étant donné qu'il avait pas beaucoup d'HP, pas beaucoup de mana. C'est pour ça qu'en général, certains Kha'Zix partent sur la potion rechargeable. Moi je pars souvent sur la potion rechargeable. Surtout en équipe quand tu dois donner le blue buff et tout. Là il va être en galère toute la game, étant donné qu'il a pas pris, bah qu'il s'est fait tuer en early. Qu'il a pas volé de camp, il a pas pris de kill. Et Kha'Zix t'es pas dans une bonne posture dans ce genre de situation. Là il va continuer de farm, après ça va, hein. Il a outscale pas mal la Elise. Sur un bon fight il peut se remettre bien directement. Attention à Jazzy, si tu tentais un gank ça peut aller très vite hein. Une chaîne de caves de 2 secondes, flash in du trash suivi d'un hook. On peut peut-être aller chercher un key assez facilement sur Events, surtout qu'il a l'air de vouloir trade hein, le mid laner. Après il a que des bots en 1, notre bro Jazzy, du coup il va mettre un peu de temps à arriver. C'est Biven qui va mettre pas mal de dégâts sur Caps. L'arrivée de Jankos qui se fait exhaust. L'ulti de nucléaire qui va les aider à terminer Caps. Et attention, Jankos qui se fait cocon, l'arrivée de Shay pour le manger. Et attention pour ça, parce qu'il va être forcé de flash out, ouais, en effet. Soas qui a tenté l'outplay en 1v1, malheureusement il va se faire solo kill par Odo Amné. Il a raté son Z là, ouais. Il a pas mis sur Odo Amné, du coup il a pas pu sustain. Et sans le sustain que lui a porté son Z, bah, il est mort tout simplement. Et c'est un solo kill récupéré par Odo Amné, hein. Il était saoulé de la game d'avant, il lui a dit ouais. Tiens, tu m'as tué 1000 fois de la game d'avant, c'est à mon tour. Après la game d'avant il s'était fait gank, là il a récupéré une assist soise, il était un peu avantagé, mais le triple d'Oran de Gragas c'est très très dur à all-in. Et j'aimerais bien revoir le move parce que j'ai l'impression que ça partait plus d'initiative de Soas qu'autre chose. Ouais, on va voir. Ah non, on va voir le mid. On va avoir donc là, regardez l'ulti de nucléaire qui a une très très grande importance sur Caps. Hein. Parce que Caps, il sait les dégâts qu'il va prendre. Il voit l'arrivée de Jankos, s'il l'exhauste instantanément, il sait qu'il tombe pas. Et il là, meurt hop. Pas. Hein. Hein s'il n'y a pas l'ulti de nucléaire, il meurt pas parce qu'il prend la lanterne, il peut partir. C'est quatre très bon flash in de chez. Voilà, on voit ce move en top lane. Qu'est-ce qui s'est passé voir. Oh là, non, en fait, c'est Odo Amné qui a il a full outplay. Odonel a tellement outplay parce qu'effectivement il le ramène. Et du coup, Soaz revient, il l'ulti pour temporiser, il le E sous tour. Et clairement, Odonel qui a pas fait, qui réalise un très très bon kill. Ah, il l'a full outplay là en fait. Parce qu'en fait, dès qu'on a vu le move, on a vu Soaz sous la tour. Ouais, c'est ça qu'il l'a eu. Et ouais, on l'a vu l'ult sous la tour. Du coup, on s'est dit c'est plus Soaz qui a dive Odonel. En fait, c'était archi pas ça. C'était juste Odonel qui l'a clairement outplay et qui arrive à récupérer un kill en pur 1v1. Il y a la coupe du monde hein, dans le box de mais ouais, en plus de ça, on doit amener à le flash advantage. Hein, donc il y a un setup de grand qui est assez facilité en top lane si jamais Jankos a envie d'y aller. Parce que voilà, flash in de Gragas, on ramène cette Camille avec cette ultimate. Et certes, elle a de la mobilité avec ce E, mais elle peut pas non plus tout traverser. Et là, on a Jankos qui a récupéré un kill hein, sur ce Kha'Zix. Ça lui permet de finir son item jungle AD. Remet bien dans la game. Et là, ouais, là, ça le remet bien. Là, il a une bonne power spike avec son Kha'Zix. Il peut 1v1 la Elise hein, sur un bon trap ou sur un bon trade. En 2v2, il reste très très pertinent. Comme tu l'as dit, il peut aller en top lane pour épauler Odo Amné, sachant que Soaz n'a plus de flash et qu'Odo Amné a le sien. Camille, c'est très très facile à tuer hein, avec un Gragas qui a son flash. Attention, on a un gank bot lane, la lanterne de Jazzy, le cocon qui n'aboutira à rien malheureusement pour Fnatic. Et on a Broxah qui va retourner dans sa jungle tout simplement. Et là, on voit Jankos, malheureusement il est vu aussi par Fnatic, on voyait pas la ward vu qu'il était dessus. Mais ouais, on voit que Jankos maintenant il peut tenter des trucs même s'il a un petit level de retard. Ouais, il est pas loin de passer level 8, un camp de jungle et il est level 8, du coup ils sont à peu près even. Et ils veulent aller la chercher cette Elise, hein. Il est vu, attention Jankos à pas trop grid, à pas faire la même erreur qu'en early game. Parce que là il est vu, Broxah qui va tenter le cocon, mais bon il reste sur ses gardes. Il va réussir à dodge le cocon et il va retourner dans sa jungle. Il sait que toute cette river est contrôlée par Fnatic et que ça n'aboutira à rien. Il y a ses Corbin qui ont ripop, du coup il va aller les farm tout comme Broxah. Effectivement, FFVN qui a pris un petit peu de résistance magique pour tenir le matchup contre Caps. Il est en train aussi de partir sur ce build pistolet hein, qu'on a pu voir la game précédente.
joué justement par le millénaire de Fnatic. En tout cas, pour le moment, en termes de CS, c'est plus ou moins even un petit peu partout. Il y a une petite avance sur les solo laners de H2K, mais c'est vraiment minime. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'impact. On a Reckless qui se rapproche de plus en plus de sa BRK. Nuclear qui part lui sur un stuff assez basique aussi sur Ezreal. On voit plus du tout de gantelet sur Ez. Attention, parce que Jesus a complété ses mobilités. Il va toucher le hook sur Jankos. Jankos qui va utiliser son ulti. On a Shay qui va arriver avec son ulti aussi et son Tamkench. Et directement, ils vont pas pouvoir voler ce red buff. On a le cancel du E de la part de Odo amené sur Soaz. Shay qui arrive. Soaz n'a plus de flash. Soaz n'a plus aucune issue pour s'en sortir tout simplement. On a le flash et de Jankos pour récupérer le kill. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Une Camille sans flash, Odo amené avec son flash, Odo amené n'a même pas eu besoin d'utiliser encore une fois. Il l'a outplay encore une fois, Soaz a commencé à décaler pour aider sa team. Il s'est fait collapse par Odo amené dans ce tribush et Odo amené time extrêmement bien son E, il vient cancel ce dash de Camille. Soaz peut plus rien faire en fait tout simplement. Du coup là on a la contre-attaque de la part de Fnatic qui va directement invade ce bot side jungle et qui veut aller chercher ce Ezreal. Hein. Jesus qui lui ne passera pas par la plante, on a l'ulti de Caps directement pour bloquer ce Ezreal, l'Ezreal qui va flash out. Le flash in de Shay pour venir le sauver. Attention parce qu'on a la TP d'Odo amené, on a la TP aussi de Soaz. Et ça va être un double cancel de la part des deux top laners. Et là on a une petite guerre pour le First Blood Tower. Je vois pas les HP de la tour top, mais je pense que c'est Fnatic qui va l'avoir. C'est Fnatic qui va récupérer ce First Blood. Hein. Ça leur donne un petit avantage, c'était assez close. Hein. Il force quand même 3 summoners côté H2K. Il y a aussi le flash in de Gigi's pour aller chercher ce flag et essayer de garder et d'éloigner surtout ce Ezreal de Tamkench. Mais Shay qui encore une fois. Et là, au bon endroit, au bon moment, deux fois qu'il flash in pour sauver ses teammates, deux fois qu'il évite à Fnatic de faire un kill. Ils perdent quand même ce First Blood Tour, ils vont aussi perdre ce Drake Mountain. Non, et ça peut être dangereux. Hein, ça c'est... Attention, tu es un petit coup d'angle. Non, okay. Contre Vayne, Ryze, Elise et même Camille, le Nashor va tomber très très vite hein, côté Fnatic. Ils ont par contre pas tellement de frontliners pour tanker ce Nash. Mais bon, Gérald, une petite Elise, Elise, ça suffit. S'ils arrivent peut-être à accumuler 2-3 montagnes, le Nash il va. En plus, le prochain dragon sera un dragon de la montagne aussi. Hein, ouais. Mais après, là, ils sont un peu en retard par rapport à H2K. Ils ont eu le First Blood Duel, du coup, ils s'en tiennent ok en termes de gold. Mais on a ce Kha'Zix qui a récupéré 2 kills, on a ce Gragas qui va commencer à prendre le large aussi sur la Camille. Du coup, faudra faire gaffe. En gros, si Fnatic arrive à prendre le lead. Là, dans les prochaines minutes, le Nashor pourra être une option très très facile pour eux. Par contre, s'ils n'arrivent pas à le prendre ce lead, leur Drake de la montagne va pas servir à grand chose. On a Jankos qui va continuer de clear, il est en 2-1 avec son Kha'Zix, il a ses Mercure contre cette armada de CC en face. On a le Thresh qui a déjà double CC, la Elise qui a son concours, attention, fait Ben qui va go in sur Caps. Et c'est toujours les mêmes trades, j'ai l'impression. Là, par contre, c'est un peu Caps, plus vénère. Hein. Caps qui est en train de les gagner assez violemment. Après, il faut dire que Fubiven, vu qu'il fait Cutlass pour le moment, il est clairement pas sur ses points de soi parce qu'il a beaucoup de stats qui lui servent pas des masses. Là où Caps a terminé son séculaire, il a ses bottes de résistance magique, donc c'est un petit peu le moment là, fort. Parce qu'ils sont vus, là, les Fnatic. On a un très bon trap de la part de Jankos et Shay. Parce que Caps va passer par là, Jankos qui va lui jump in dessus hein, directement, il va lui mettre énormément de dégâts sur la lanterne, Caps qui sait qu'il est safe et qu'il a la lanterne à côté de lui, du coup il peut mettre des dégâts en retour à Jankos. Caps qui pour l'instant fait une très bonne game sur son Ryze. Il est confiant sur son Ryze, hein. Caps il connaît extrêmement bien ses limites, les dégâts qu'il est capable d'infliger. C'est un personnage qui joue assez souvent et on voit hein, Jankos le dashin, il a pas eu peur une seule seconde. Il le trade instantanément, il lui dit retourne chez toi mon pote. Et voilà. Directement, hein. Retourne chez toi mon pote qui a envoyé à Jankos. Comme ça, Du coup, Jankos est retourné chez lui, quoi. Donc... Exactement. Attention, Max, on va peut-être avoir un catch sur Nuclear. Non, Nuclear qui arrive à sentir arriver le coup de chez Fnatic. Surtout qu'on a vu la plante qui a été prise sur la minimap. On a Broxah qui va counter les golems. Broxah qui met beaucoup de pression hein, dans cette bot lane, dans ce bot side jungle. Nuclear qui peut pas trop farm. Hein. Non, il est sous pression sur Ezreal. Et Reckless qui a max le Z avec cette Vayne. Il sait que sa principale source de dégâts va reposer sur Shay et sur Odo amené. Du coup, il a envie de tomber ses tanks de manière assez rapide. Et le max Z s'y prête vraiment bien. Il a déjà suffisamment d'AD en fait, tout simplement avec cette ferveur. Donc c'est un choix intéressant. Nuclear qui lui est assez loin de ses power spikes encore pour le moment. Il a un farming qui est correct.
mais qui est un petit peu en retard par rapport à Eclès. Sachant toute la pression qui a été mise sur lui, oui, aussi, il s'en sort vachement bien. C'est vrai que c'est normal hein, que la Vayne ait 10 CS d'avance pour ceux qui se demandent. Surtout que le match-up. Vayne gagne la lane. Déjà, le match-up est pas. Le match-up en fait est free pour Vayne. Genre, ouais. C'est en mode. Enfin, j'ai pas d'équivalent, mais c'est en mode en fait tout ce qui est pas négatif pour Vayne, c'est fort pour elle, tu vois, parce qu'elle va scale, elle va farm. Et si elle n'est pas sous pression en termes de laning, bah, même si la lane n'est pas vraiment gagnante entre guillemets pour elle, à partir du moment où elle n'est pas perdante, c'est comme si elle était gagnante. Donc voilà, c'est le professeur Wax qui nous explique que quand vous n'êtes pas perdant, vous êtes gagnant. Attention, Naluchi sur Odo Amné qui va se faire collapse par Jesus et Reckless qui va récupérer un kill là-dessus. Attention parce que c'est très très important pour cette équipe de Fnatic. Fabian qui va prendre pas mal de dégâts. Jankos qui est venu tanker le Q-spell de Caps, l'ulti de Caps qui va aller directement dans la backline. Sur Fabian qui va prendre le Q-spell, mais il n'y a pas assez de dégâts. Et Jankos qui va utiliser son ulti pour s'en il sortir. Il a le route, hein, Caps, il a le route et on veut pas aller plus loin. Les rappels sous la T2, hein. C'était et beaucoup Fnatic trop dangereux. Ils font une bonne opération, récupère un kill en top lane après avoir dit que va perdre, c'est justement l'opposé de gagner. Il récupère le kill top lane, il récupère 7 T1 top parce qu'on sait qu'il est absolument tout seul sous cette tour. Il peut peut-être faire quelque chose, l'Exos qui est mis. Utilisé, Broxa qui est obligé de flash out. Ah, il y avait l'arrivée de Fabivan derrière, un jeu qui. C'est très actif pendant ce temps. En top lane, on continue côté Fnatic, on récupère cette T2 avec Vayne Camille. Très très bonne opération de l'équipe Fnatic. L'écart de god n'est pas si conséquent que ça. Mais voilà, on récupère en plus ça la tour mid. Et là, ils ont récupéré 3 tours en 30 secondes. Et H2K a simplement répondu en prenant 7 T1 bots. Falloir faire attention quand même, parce qu'on a Reckless qui prend beaucoup beaucoup de gold. C'est ça, il a énormément de ressources, la Reckless. Il a récupéré un kill en plus sur Odo Amné. Là, il va partir, comme tu l'as dit, sur un danseur fantôme. Et on le sait, une Vayne qui scale, une Vayne rise. Plus Camille dans cette équipe de Fnatic, ça va être tendu hein, pour H2K de tenir ce late game. Ça va être le 2-0, mon bro. C'est ton prono qui va, qui va s'envoler. Regarde, hein, c'est mes bros de chez H2K qui vont combattre cette game. On a Jankos qui est plutôt bien dans cette game. Il a 2 kills sur son Kha'Zix, il a 87 CS. Bon, le farm n'est pas parfait, mais ça reste correct. Il est en train d'avancer sur son Black Cleaver, le jungle de cette équipe H2K. Il prend un petit peu de vision dans cette jungle bot side. Et là on a un collapse qui va partir sur Soaz. Soaz qui a pas beaucoup de. Ouais, il a pas beaucoup de portes de sortie parce que là il va dash out. Mais bon. il y a la famille qui l'attend derrière. Ah, il peut rien faire malheureusement, mais il est beaucoup trop avancé en fait. En gros, il est sur un timing où il n'y a aucune vision dans sa jungle bot side. Ses teammates sont pas du tout en position de pression. On voyait que tout le monde revenait de la base. C'est une grosse erreur là-dessus de la part de Soaz. Ils vont tenter un RH, je sais pas s'ils ont là, le temps, parce que je crois qu'ils se marient à 50. Hein. Non, ça c'est en gros, à 55, si tu... je crois. En gros, ouais, si tu la pousses, c'est 55, ils vont pouvoir récupérer ça. Voilà, après, ils vont le donner à Reckless. Ok, hein. Donc ça va être du speed push. Ok, ouais. S'il le donne à Reckless, c'est déjà qu'il va le faire du 1-3-1 avec soit Soaz, soit Caps et Reckless en speed push. En gros, c'est les râles, vu que ça sert quand t'es tout seul. Si tu le donnes sur ton AD, t'es en mode, t'es très simplement, ouais, c'est ça, t'es jamais tout seul, du coup tu peux jamais le stack tout simplement. Exactement. Et si tu peux pas le stack, il sert à rien tout simplement hein, ce Herald. Alors que si tu split, t'es forcément tout seul et tu pourras le stack et mettre d'énormes dégâts sur les tours et sur les adversaires. Après, en vrai, il y avait pas. Ils auraient pu le donner à Elise. Ouais, ils auraient pu le donner à Elise, mais. Mais bon. C'est vrai que le mieux aurait été Soaz, mais Soaz était pas là. Sachant que c'est une Vayne, autant. Enfin, un peu, là, cette possibilité de split push, ouais, pas. Ouais, effectivement. Après voilà le mieux aurait été Soaz, parce qu'on ping le Nash là, ça ping côté H2K. On va prendre en tout cas Drake Mountain, bonne opération de la part de Jankos qui l'a à moitié solo. Ce Drake Mountain qui va empêcher Fnatic de stack ses Dragon Mountain justement, ça aurait pu être assez dangereux. Ça permet aussi à H2K avec ce Kha'Zix et éventuellement cet Ezreal qui aura une BRK d'aller chercher ce Nashor un peu plus rapidement. En tout cas ils avaient besoin je pense de l'enlever à cette équipe Fnatic. Pendant ce temps on a Reckless qui est en free farm top lane. Fabivan qui a envoyé aussi en top side pour peut-être aller essayer de gérer cette veille. Ah ouais, la veille qui commence à être ingérable hein, parce que justement si elle va prendre de l'XP en solo en plus, ça, elle va être vraiment vraiment forte déjà en pur 1v1 et en teamfight ça va être intenable, elle va avoir beaucoup trop de level, elle va pas pouvoir se faire one shot par Fabivan parce que Fabivan n'a pas réussi à récupérer les kills sur les actions qu'il a faites, il a deux assists pardon. Reckless qui a envoyé un petit peu en bait en top lane. On a Broxa et Jesus qui sont là en défense. On savait que voilà qu'il y avait Fabivan pas loin. Il a été ping Fabivan sur le retour. Il va prendre la plante d'ailleurs, prendre un petit peu plus d'informations et aller récupérer son blue buff tranquillement. Reckless qui à mon avis là sur son back à son danseur fantôme et il va commencer avec ses deux items. Voilà, ces deux items va commencer à vraiment être dangereux et menaçant sur cette veine. Alors en pur 1v1 il peut retourner des situations. Il y a que contre Fabivan où ça joue un petit peu à loot play, sinon il gagne contre tout le monde là côté H2K. Ok, après en vrai il y a personne qui va essayer de le 1v1. Non voilà, mais ce que je te dis c'est que genre en gros s'il part en split push, il y a que éventuellement Fabivan qui peut le tenir et en fonction de comment ça se passe, Reckless peut-être aller chercher le kill.
Ok. Mais du coup, ouais, en gros, il faut forcément être minimum 2 pour le tenir, ce bro Reckless. Donc là, on va le voir qu'il va aussi faire la bête, ok. Non, il va juste s'infiltrer, il va attendre l'arrivée d'Odo Amné, et Odo Amné arrive. Hein. Odo Amné a posé sa pink et Odo Amné est en route. Hein. Odo Amné ne se doute de rien. Là, c'est bon, le back qui a été cancel. Et là, Odo Amné qui va se faire catch. Le stun qui n'a pas touché. Il a encore son ult. Le condemn qui va stun. Ouais. Par contre, Odo Amné qui va se faire bloquer. Il flash trop tard, malheureusement. Il flash out trop tard là-dessus, le top laner H2K. Malheureusement, il a pas de timing pour flash plus tôt. Hein, parce que quand il y a cette ulti de Camille, il peut pas flash. Du coup, il ultimate pour enlever Soaz de cette zone, enlever l'ulti de Camille et il flash instantanément. Mais là, malheureusement, le taux de Reckless est déjà parti. Ça permet de récupérer ce kill, mais pendant ce temps, on a fait Vuven qui met des bons dégâts sur cette T2 de top lane et personne réagit côté Fnatic. Du coup, il va pouvoir récupérer cette tour totalement tranquillement. Gratuitement. Et il n'y a aucune tour qui va être prise en contrepartie. Attention, parce qu'on a Caps qui a envoyé Jayziz dans son ultimate. Il ne va pas pouvoir la prendre du coup, mais elle est très très low. Il pourra la récupérer plus tard dans la game. Je ne sais pas s'il va partir sur une Lich Bane. Ou pas comme Ryu hier fait Biven. Pour l'instant il a son pistolet, mais il est bien dans sa game, 213 CS, 002. Il a pas eu les kills malheureusement sur les ganks ou sur les moves qu'il a fait. Et du coup ça... T'es pas content en général avec le blanc, t'as envie d'avoir le maximum de ressources possible pour pouvoir one shot les adversaires. Et pour l'instant ça va être dur de tuer Reckless hein, parce que là il a son Phantom Dancer, il a sa BOTRK. Il a un Thresh qui peut le sauver en général avec tout simplement avec sa lanterne. Du coup, c'est difficile. Il n'y a hein. pas là, Reckless, grosse menace côté H2K. Reckless qui est parti dans la salle du temps hein, pendant ce split LCS. Parce que c'est incroyable là, ces dernières semaines, c'est... Bah en fait, en vrai, c'est, genre, il a toujours été très solide, mais c'est que surtout, on sent que cette équipe Fnatic commence à avoir cette cohésion et surtout les picks de Jayziz qui sont beaucoup plus agressifs en fait, avec ses Aera, avec ses Camille, avec ses Thresh. Et ça permet à Reckless de s'exprimer beaucoup plus facilement parce que ça lui donne des kills et une fois que Reckless est faite, tu le sens dans les games. Ouais, surtout que la méta des carry a clairement changé. C'est vrai aussi. Et que maintenant, si t'es plus fort, ça te bénéficie quoi. Attention, on a Reckless qui a utilisé son ultimate pour essayer de catch Jankos. Jankos qui va juste reculer. Mais bon, après l'ultimate de Vayne, c'est pas un énorme CD non plus, je pense. Ouais, voilà, il a déjà un quart de récupérer presque. On a la T1 qui va tomber pour H2K. H2K qui. J'ai dit un quart en marseillais quoi. un quart de quart quoi. Ouais, plutôt. Non, mais ça revient vite, tu vois. Ouais, genre, non, ça va. C'est 90 secondes, je crois, le CD. Le CD est plutôt court. Attention, Jayziz qui va se faire ralentir là-dessus. Jankos qui va jump in. Sauf que Jankos a plus d'ulti. On a fait Beaven aussi qui était là derrière. Caps qui arrive à flash out et à s'en sortir de son ulti, grâce à son ulti pardon, trop propre, en ayant flash l'ulti d'Odo Amné, et du coup il va s'en sortir. Parce que là il aurait pu tomber, il y a un dragon de la montagne pour H2K, ils auraient peut-être pu faire le nage derrière. Attention, on a Odo Amné qui va retourner trop en bot side, il a toujours sa TP. Et on va aller, on a envie de partir sur un H là côté. Non, on va juste prendre la vision. Et attention à Fnatic quand même, parce que là ils étaient pas loin de se faire catch par-ci par-là. Ils étaient pas loin effectivement, on avait plus d'ulti sur Reckless donc on pouvait pas vraiment aller chercher ce fight frontal. Et Caps qui arrive à faire un petit peu loot play mécanique. Il flash out l'ulti de Dohané parce que le seul n'importe quel CC qui se prend en étant raid ça cancel son ultimate. Flash out l'ulti, il revient dans sa zone juste à temps pour s'échapper. Tel un prince, hein. Tel un prince, et c'est ça. Et sa force, sa force, c'est le prince, quoi. C'est un peu le prince, quoi. T'as le gros, quoi, mais lui, c'est le prince. Lui, c'est le prince. On a eu pas mal de wards quand même qui sont placés sur ce Baron Nashor par cette équipe de Fnatic. On sait qu'il y a un Drake des montagnes en face, même si on en a un aussi. Prochain Drake qui va être un Drake Cloud. Du coup, il n'y a pas de stacking de Drake pour l'instant. On a cette équipe H2K qui est pas si en retard que ça hein, au final. Hein. On voit qu'ils arrivent aussi à mettre de la pression et à faire peur à ces Fnatic. Le dash-in de nucléaire qui va directement être récupéré par Shay pour avoir mis quelques dégâts sur Caps. Plutôt bien joué ça, ce petit combo. Je go in et tu manges derrière, je mets un peu de dégâts. Il met un petit peu de pression avec son Ezreal, parce que de toute façon c'est le moment où il est sur son Power Spike, il a sa Trinité, il a sa Muramana. Il a récupéré aussi de Cutlass, ça lui permet d'avoir un petit slow s'il veut aller chercher les trades. Et ça lui permet aussi de s'exprimer un petit peu nucléaire dans cette game parce que pour le moment il n'y a pas eu de fight, il n'y a pas eu de moment où vraiment il a pu faire la différence. La seule assist qu'il a récupéré c'est avec son ultimate. Mais en tout cas il a bien récupéré son retard en forme, hein. Il est même passé devant, il met 20 CS à Reckless. Ah, du coup nucléaire hein, qui se fait discret depuis le début de cette game mais là qui revient en force. Et là T2 qui va tomber pour H2K qui sont plus qu'à 800 gold de retard de Fnatic. Et là... Là, H2K, pour l'instant, est bien. Bah, ils remontent bien, ils égalisent en termes d'objectifs. On a vu une très bonne phase de jeu de la part de Fnatic quoi, pour récupérer Mass Tourelle d'un coup. Reckless qui récupère un kill bot, qui se met bien et tout. Et au final, H2K, avec le temps, ils sont.
Ok, vous voulez jouer rapide, nous on va prendre notre temps et on va gagner comme ça. Et Reckless qui va partir sur un maillet gelé aussi. Ouais, Reckless il part sur un maillet gelé, il a l'air de bien aimer ce item. Il le fait sur tous les AD, hein, toutes ces games qu'il a faites. C'est vrai, parce qu'avant il jouait Kennen, il faisait ça aussi. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être un petit peu le bull pass de Reckless. Hein. C'est en mode BRK, item attack speed, Runan ou danseur fantôme, into maillet gelé. Sur le hook qui va pas toucher. Et voilà, en termes de ah, il a mis ce petit pool HP qui lui permet de ouais, de survivre de justement tenir. À Leblanc, à Kha'Zix, à tout ce qui est en burst. Caps qui va se solo, se drake. Par contre, on a Shea qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il va prendre la vision? Non, je pense qu'il va l'avoir. Caps va prendre ce drake sans aucun problème. Il y a la plante derrière. C'est ça. Il pourra prendre la plante pour se régène un petit peu. C'est trop chiant le carapateur. Hein. Et prochain drake, c'est un troisième mountain. Hein, ah, ok, donc le prochain drake va être extrêmement contesté. Troisième et dernier drake avant l'ancestral. En effet, étant donné que l'ancestral pop à 35 minutes, et du coup, bah, si vous faites un Drake, ça, bah, juste avant les 35 minutes, bah, c'est le prochain Drake, c'est un ancestral. Bon, gros. Il paraît que si tu tues des creeps, ça donne des gueules. Ouais, voilà, tout simplement. Hein. Si tu ne meurs pas, bah, tu vis quoi. Exactement. Et du coup, Drake Mountain qui sera important parce que si Fnatic le récupère, ils peuvent faire le Nash très rapidement. Et d'ailleurs, ce Nashor, est-ce qu'ils vont pas le commencer? Non, ils viennent de prendre le ping. C'est beaucoup trop risqué, je pense, de start un Nashor oui, comme oui, ça. Oui, ils ont pas assez, surtout qu'ils ont pas du tout assez de vision en fait dans la jungle, dans la jungle à Shuket, donc ils auront une information qui sera beaucoup trop tardive s'ils commencent ce Nashor. Et ça peut aller très très vite hein, avec une Leblanc qui a déjà complété son white staff, un hein, Kha'Zix qui est pas mal fait quand même. Du coup, en fait, tu peux start le Nashor. Ça peut se retourner très vite contre toi parce que tu peux perdre ce Nash. Genre, c'est un move qui a beaucoup trop de conséquences, tu vois. Si tu starts ce Nash, même si t'as de la vision dans la jungle adverse ou quoi, et que tu te le fais voler, et qu'ensuite tu perds le fight derrière, bah ça va être expéditif, hein, tout simplement, du côté de H2K. Du coup, je pense que les deux équipes vont pas start de Nash avant vraiment d'être sûr à 99% de l'avoir. D'accord. Ou alors, s'il y a vraiment un sneaky en 2-2 two-man Nash. Et je pense que ça peut être réalisable qu'avec Fnatic par contre. Je suis d'accord, ouais, justement, typiquement Vayne Broxa ou Vayne Soaz. Voilà, Vayne Soaz ou Vayne Broxa, normalement ils peuvent le faire à deux. Qui met pas mal de dégâts là-dessus. Le hook qui va toucher Janko, c'est Janko qui va se faire complètement opposer là-dessus. Il va y avoir quand même réussir à flash out. Jayzis qui prend énormément de dégâts. Jayzis qui va se faire sniper par Nuclear. Pour l'instant, on a Damné qui est tombé. Le go-in de Soaz sur Soaz qui est extrêmement low HP. Shea qui arrive à tanker pas mal, il va manger son AD carry. Pour l'instant, c'est un petit peu la débandade côté H2K. Febiven qui va tomber, double kill pour Eclès. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus? Il est en train de chercher un peu plus le kill récupéré par Nuclear et ça va être un Nashor. Ouais, ça va être le Nashor. Là, on est sûr à 99% de l'avoir. Du coup, bah. Fallait que je commence en anglais celui-là, mec. Hein? Parce que c'était en mode he got the double, ah ouais. he's looking for more. Et du coup, le Nashor qui va tomber très très vite hein, avec un Drake de la montagne. Ah, une Vayne, une Nidiz. Et là, ce fight hein, qui est pris par H2K, malheureusement, ils ont voulu voler le red buff, mais Janko a pris beaucoup trop de dégâts avant que le fight démarre. On voit que Reckless s'en fout complètement du red buff. Hein. Il veut juste mettre des dégâts sur Shea et Janko. Shea qui est à travers le pit du Nashor, du coup, il peut pas aider sa team, il peut manger personne. Ils ont tué Jayzis, ok, mais bon, l'ulti de Soaz qui arrive à bloquer pas mal de membres de cette équipe de H2K. Et derrière, ben, Caps et Reckless sont beaucoup trop faibles et personne peut les menacer. Du coup, ils tuent tout simplement tout le monde. Exactement. Nuclear qui tombe derrière. Et là, on voit Caps qui voulait un peu plus, quoi. Il voulait un kill de plus. Caps, il voulait plus et il aura pas pu. Et ouais, comme tu l'as dit, Janko, qui a pas du tout pu fight, qui s'est fait démolir en début de teamfight. Shea qui était dans le pit du Nashor. C'est du coup, il a pu sauver personne, ils ont pas pu disengage. La position était trop mauvaise pour H2K. Et le fight était mauvais aussi, étant donné que Janko a commencé le fight à 10%. Et... Très très bon, en tout cas, de Jayzis qui arrive à aller garder justement ce Kha'Zix suffisamment longtemps pour s'assurer qu'il soit hors du fight. Il arrive certes à s'en sortir, Janko, avec son dash out, avec attention, son flash out. Il attrape là, mais il était senti par Fnatic hein, qui ne veut pas commettre cette erreur débile en mode on prend le dash out et forcément il va y avoir un trap en face. On check tous les bush, on laisse rien au hasard et on essaye de récupérer. Le maximum de tours et le maximum de gold grâce à ce baron powerplay tout simplement. Et là Reckless est trop trop bien dans sa game, hein. Il a son maillet gelé, il a sa QSS, il a plus de flash et il y a un flash sur Doamné, c'est la seule menace. L'ultimate de Reckless qui est utilisé, Soaz qui va mettre un petit peu de dégâts, attention Doamné qui prend énormément de dégâts, il va se faire manger là-dessus par Shea. Reckless qui est en train de démolir ce tankage, go in de Soaz qui prend le stun sur Nuclear, mais on n'ira pas plus loin, le hook de Jayzis qui ne va pas toucher. Et pendant ce temps on a eu Caps qui a tenu le 1v2 contre Febiven et Jankos, il a pas utilisé ses summoners. Oh là, Reckless, honnêtement là, 5-0-1, il est en train de démolir ses tanks hein, grâce à son pic tout simplement. Ouais, c'est ça, il éclate au dos amené de chez. Hein,
Il a c'est déjà il a mis au donné à 10%, Shai est venu le manger. Il a tué Shai du coup. C'était assez fou. Et là, et en plus, il est intuable en plus avec ce pick vein. Donné que maintenant il a son magnet gelé et sa QSS, beaucoup trop d'HP. Il peut pas se faire cesser. Et il est trop bien. Tu peux pas faire mieux là. Il est trop bien dans la game, effectivement. Parce que voilà, en fait, ça fait deux games où il est extrêmement fed. Et du coup, en fait, le fait de partir sur les items un peu tanky fait qu'on sent pas du tout son manque de DPS, qui est là, ces items qui sont beaucoup plus tôt normalement. Tu vois. C'est ça. Parce que là, 5 kills, 326 CS à 32 minutes. Normalement, t'as pas ça sur un AD carry. Et quand c'est le cas, surtout quand il joue Vayne, quand tu composition aussi entre guillemets facile que celle de H2K. Bah, ça donne ce genre de choses, il éclate la game. Ouais, clairement, il faut jouer autour de ce Reckless. Hein. Il ne se rate pas, hein. Clairement. On l'a vu la game d'avant sur Twitch, là, cette game sur Vayne. Regardez les dégâts énormes que Doamné va prendre à chaque carreau d'argent qui sont validés. Hop, le condamne. Oh, on va pas voir la suite. Attention, on va peut-être avoir un catch sur Caps. Caps qui a flash out. Il va se ralentir par Jankos, le stun. Et là, il a aucune issue. Hein. Fabian qui va récupérer le kill. Heureusement, Fabian n'arrive pas trop à s'exprimer avec cette lobe. Il n'arrive pas à faire des roams un peu partout à vraiment solo carry cette game. Et là, Reckless, bah, il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Il a pas de perso. Attention à la TP derrière lui là-dessus de Fabian. L'équipe Fnatic est vachement avancée. Flash out de Broxah. Reckless qui va prendre cette lanterne qui devrait être plus ou moins safe. Fabian qui va se faire stun, qui va se faire ultimate par Soaz. Malheureusement, il est derrière lui. On peut pas le follow-up là-dessus. Mais Soaz est en train de le démolir. Et Soaz qui récupère le kill. Sur Fabiven, qui pouvait rien faire. Hein. La Camille qui pose pas mal de problèmes à cette Leblanc parce qu'elle peut pas dash out justement. Elle est bloquée. C'est la force de Leblanc hein, de venir, de repartir, de mettre un peu de dégâts, de rendre fou les adversaires. Bah là tu peux pas le rendre fou parce que t'es bloqué dans la zone. Bah soit si tu le tapes pas, lui il va te taper. Hein. Il s'en fout qu'il Reckless derrière ou pas. Il l'a tué tout simplement. Il l'a implosé parce qu'on l'a dit aussi. Hein, ce pick Camille qui scale énormément. Plus t'avances dans la game, plus tu peux mettre de dégâts bruts sur les adversaires. Et bah tout simplement les dégâts bruts c'est le meilleur truc de League of Legends. Ouais, bah oui, c'est des dégâts qui font très mal. Hein. Et là ils en ont deux des personnages à dégâts bruts. Ils ont cette Vayne et cette Camille, du coup c'est dur. Une fois qu'ils sont en place, c'est vraiment dur pour cette équipe de H2K de s'en sortir. Ouais. C'est qu'ils ont pas les meilleurs picks pour aller genre vraiment en late game et s'en sortir comme c'est ça. C'est ça, parce que même en soi, plus la game avance et plus c'est l'avantage de Fnatic. Hein, ah, ils ont Ryze, Camille, Vayne. Il y a que Elise qui va vraiment fall off, mais voilà, tout ce qu'elle a à faire c'est partir tanky, ce que Broxah a plus ou moins fait avec cette plaque du mort. Là maintenant je pense qu'il part sur GA, et en fait il va juste servir de frontline, essayer de servir un petit peu de tampon. C'est et, ça. Et derrière on aura Reckless, Caps et Soaz qui vont démolir tout le monde. Il y a un petit Liandry en plus pour mettre pas mal de dégâts sur les Squishy, hein, parce que le Liandry suffit en général sur Elise pour vraiment démolir les Squishy. Et du coup cette équipe de H2K peut même pas tuer cette Elise. Attention, Fabiven qui va go sur Soaz qui va juste dash out. Non, il va au dash in. Il y avait Shade derrière, il pouvait pas forcément dash out. Soaz qui va essayer de s'en sortir et il va s'en sortir. On a l'arrivée de Caps, Broxah et Jezzy grâce à l'ulti de Ryze. On a Soaz qui re-go in dans la mêlée. Broxah qui va kill Jankos qui se met invisible pour tenir le maximum attention, de temps. On a l'arrivée de Reckless. Reckless qui arrive sur le fight. Le flash in de Reckless. Attention, il s'est un peu loupé, mais bon, tranquille, il va réussir à détruire. Fabiven et Odo Amné. Reckless is dominating, il est en 6-0-3, il a sa QSS de compléter son Scimitar Mercuriel de compléter. Et là c'est l'homme le plus heureux du monde. Je pense que ça, est-ce que Fnatic peut aller chercher la game là-dessus? Je pense qu'ils peuvent. Ils ont pris cet inhibiteur, il y a un inhibiteur mid qui est aussi à nu. Mais ils ont l'air de se diriger plutôt vers la base. Non voilà, ils vont prendre cette mid lane rapidement, voilà. Ils vont en plus suite se diriger en bot lane parce qu'on a une énorme wave qui est en train de push. Ah, y a une giga il y a encore wave, 25 secondes sur Fabiven, 25 secondes sur Odo Amné. Et là Fnatic sont en train de s'envoler vers un 2-0 et vers mon prono. Hein, Non, t'as dit 3-1 Fnatic. Oui, bah c'est mon prono. Non, c'est 3-0 Fnatic. Après. En tout cas, attention, le hook qui va toucher, Shea qui se fait complètement imploser, qui va tomber, Soaz qui va rater le stun sur Nuclear, il va reculer parce qu'il prend un petit peu de dégâts. Le troisième inhibiteur qui est sécurisé et là, maintenant. Les carottes sont cuites, mon les bon carottes bro, sont plus que cuites, mon super bro, parce qu'on a ce Nasher qui respawn dans 45 secondes et c'est le timing parfait pour Fnatic. 3 inhibs récupérés en même temps, ce qui fait qu'ils vont avoir 4-5 minutes de wave en fait de super sbire doublé justement qui vont être timés ce Nasher qui spawn, donc ça devrait être une win assez facile. Soaz qui là-dessus gagne énormément de temps, il met beaucoup de dégâts à Fabiven, ultimate qui démolir. Permet de temporiser. Très très bonne ulti de Caps qui amène toute cette équipe Fnatic. Il y a que Reckless qui les a un petit peu derrière. Et derrière, bah, c'est tout simplement le Chase en fait. Déjà, il gagne en 4v5 de base. C'est ça. Et là, t'as l'arrivée du monstre hein, qui arrive Reckless, sur le flanc direct. Reckless mais qui va rater un petit flash peu out de flash. Nuclear. Après, il y a eu un flash out, du ouais, coup, ça y va. Il y a eu beaucoup de flash out en respect dès au flash qu'ils l'ont in. Vu, ils sont ouais, c'est ça. Derrière Reckless. Courez. Mais voilà, ça suffit, ça prend deux kills, ça prend deux inhibiteurs.
Et maintenant, Fnatic a juste à attendre ce Nashor, ils font de Nashor et ils terminent la game tout simplement. Il va falloir besoin un petit peu d'un miracle côté H2K, peut-être un style de Junkos. Mais même un style, ça suffirait pas. Ça permettrait de temporiser tout simplement. En fait, ça t'a donné une chance. En fait, s'il style et qu'il meurt, bah. Ouais, la game est finie. En fait, faudrait qu'il style, qu'il tue un mec et qu'il ne meure pas. Faut vraiment un miracle d'un miracle, hein, parce que c'est. Attention, c'est quasiment impossible de son Junkos qui va se faire hook. Va prendre un peu de dégâts. Là, voilà, Fnatic a juste à attendre. Hein. Vous voyez les waves sur les sides, elles commencent à se stack. Et H2K peut rien faire en fait, tout simplement. Ils ont juste à. Enfin, ils ont juste à défendre en fait. Ils ont essayé, ils ont un timing. Le Nashor qui va tomber extrêmement vite. Il n'y a plus de trinket bleu en plus là. Il n'y a plus de trinket bleu. Nashor qui a été commencé d'ailleurs par Fnatic. Et oh, Nashor qui devrait tomber d'ici 3 secondes. C'était 2. Du coup, le Nashor qui tombe. On a Reckless en plus qui est parti sur un Last Whisper pour encore plus démolir ses tanks, hein, tout simplement. Effectivement. Ils vont plus pouvoir le tenir là, déjà qu'ils le tenaient pas là, non, c'est. Non, ils le tenaient déjà pas c'est beaucoup, impossible. Il y a Vivi Sbire, le Nashor, H2K qui peut rien faire. Il y a l'armée là on sent que les Fnatic veulent gratter un peu de KDA par-ci par-là. Reckless qui va taper Shay, Reckless, non, allez un petit 8-0, non, il va pas l'avoir, c'est Broxa qui va récupérer le kill. Attention, Reckless qui tape au doigt amené, tu vois, ils vont pas l'avoir. De toute façon, il y a beaucoup trop de creep et ça fait 2-0 pour Fnatic. Désolé pour ton prono, mon super bon. Ah, mon prono qui tombe à l'eau. Et Fnatic qui sont en train de. Fnatic qui sont ultra chauds, hein. Fnatic qui nous sortent. La tête des casses. Fnatic qui nous a sorti une dernière semaine de playoff très solide. Qui nous sortent là un premier BO, du moins deux premières games contre H2K extrêmement solides. Très bonne early game, très bon mid game. Il n'y a pas de throw, il n'y a pas de move où tu fais qu'est-ce qu'ils font. Il y a juste une ou deux fois où Soaz est trop avancé et il se fait catch. Mais ça coûte rien à l'équipe, ça perd juste un petit peu de tempo. Et à part ça, c'est pas grand chose. Et là maintenant, H2K ils sont dos au mur, hein. Ils ont plus le droit à l'erreur. C'est ça. Ils ont besoin de faire le reverse sweep comme Splice hier. Après, ça doit motiver les joueurs de savoir que. Enfin, tu sais, t'es en mode. Ouais, hier ils étaient en 0-2, ils ont comeback. Nous aussi, on peut y arriver et tout. Let's go, les mecs. En gros, là, c'est H2K gagne la prochaine. Ils vont clairement avoir un boost de confiance. Donné qu'il y a eu un reverse sweep hier. Et que t'es en mode, ben c'est possible. Regarde, comme tu l'as dit hier, Misfits qui était en 0-2, ils ont su revenir sur Splice, alors que Misfits était entre guillemets les favoris. Là, c'est un peu la même chose entre H2K et Fnatic. Du coup, ils vont devoir tout donner pour cette prochaine game. Peut-être tenter des cheese, tenter des AD carry aussi, aussi late game que font Fnatic avec Reckless. Ils ont sorti Vayne et Twitch. Hein. Ils ont sorti Vayne et Twitch, c'est en général des AD carry en lane qui sont démolir. Et bah Reckless fait pas démolir, hein. Reckless c'est trop fort là, c'est. Avec Reckless c'est trop chaud. Reckless genre, il a fait fort. Une game avec Twitch où il est mort une fois je crois, il a fait un taf insane, là il fait une game avec Vayne, il meurt jamais de la game, il fait un travail qui est. Il est en 7-0 en LCS avec Vayne. Très solide. Dreidal quoi, c'est. Je crois que t'as inversé l'ordre des. Et du coup, c'est assez. Assez fou de la part de Fnatic parce qu'ils mettent Reckless en last pick déjà pour counter pick la bot lane. Ça franchement c'est honnêtement et c'est très smart, hein. Et il joue uniquement autour de lui, hein. On a vu la vision bot side qu'apporte Broxa, il avait pas d'assist avant les teamfights, il avait rien fait, pas de gank, pas de kill avant les teamfights. Mais il a mis une vision bot side qui était absolument insane. Ça veut dire que Reckless pouvait jamais se faire gank avec sa Vayne. Du coup, il a eu une laning phase un peu croisière en mode tranquille. Ouais, ils ont eu le first blood de tour. Ils sont venus à un moment avec Chaos pour récupérer le first blood de tour. Exact. Et ensuite, on joue juste autour de Reckless. On laisse faire son taf avec sa Vayne, avec son Twitch. Et Fnatic est imbattable. Hein. Quand Reckless est en forme comme ça, c'est chaud de les tenir. Exactement, on s'assure en fait qu'il ait une lane qui soit facile. Et quand elle est difficile comme game 1, bah on gank beaucoup en fait, tout simplement. Et de manière à pouvoir libérer cette pression, de manière à sortir de la phase de lane avec un Reckless qui soit devant, soit au moins even. Et derrière, bah, tout simplement, il déroule, il scale, il fait son taf en teamfight, il fait ses catchs, il fait notamment voilà, des très bons calls comme on a vu avec Soaz. Ils attendent à deux dans le bush, ils arrivent à aller chercher ce kill sur Odo amené. C'est des petits trucs, il y a eu aussi le first blood, je crois qu'il est parti sur Reckless, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, parce que donc, c'était son deuxième kill, le kill sur Soaz. Ouais, voilà, honnêtement, c'est des choses qui donnent un lead à Vayne. Et il était contre une composition qui était assez facile à gérer, il n'y avait vraiment que Fabiven qui pouvait l'embêter. Et Fabiven s'est fait extrêmement bien gérer par Caps en mid lane. Il a pris aucun risque, hein, dans son build. C'était extrêmement dur de le tuer. Exactement. Maillé gelé. Ensuite, il a fait QSS. QSS, ça donne la magic resist. Du coup, bah ça. Ouais, et même ça permet, tu vois, justement, les petites erreurs en mode.
contre Tamken, si jamais tu te fais de, enfin, genre tu te fais slow, etc. Tu peux QSS, pareil contre Gragas, tu peux QSS flash ou pareil, QSS contre roulade. Le Blanc aussi, le, ouais, la chaîne. Il y avait pas mal de dégâts magiques, en plus ça lui donnait un peu d'RM. Mm. Il part sur du sustain derrière, de, double item à sustain, et après il est intenable, hein. Ouais, c'est, peux... c'est une vein en late game. Une fois qu'elle a ses 6 items, bah, bonne chance. Ouais, hein. Tu peux pas faire grand c'est, chose. C'est vraiment bonne chance. On va voir le first blood. Ah oui, voilà, c'était là le first blood. Là, c'est très bien joué de la part de Caps. Hein. Extrêmement bien joué. Ça, c'était un call de Brox. Hein. 100%, il a dit, il est à Mevres. Caps a directement décalé. Ensuite, il flash in, il prend la plante. Et ça lui permet de récupérer le first blood. Après, on a eu pas mal d'outplay de la part de Odo Amné sur Soaz. C'est vrai. On a vu Soaz au début, première game, Soaz qui gagne le 1v1. Là, c'est Odo Amné qui l'a complètement démoli pour en toi, 1v1. Odo Amné la kill cette fois-ci. Autant et Soaz gagnait les 1v1, mais il n'avait pas réussi à récupérer le kill en solitaire. Là, Odo Amné vient outplay totalement Soaz. Sachant qu'en plus, il a pas eu de gank, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que Soaz avait un gank. Là, c'était du pur 1v1. Et Odo Amné a récupéré le kill. Il a outplay sous la tour. Mais là, j'aimerais voir Odo Amné sur un Rumble ou quelque chose. Un truc qui carry vraiment, tu vois. Parce que, ok, Gragas, ça fait pas mal de dégâts. Tu peux gagner à la lane. Tu peux récupérer des kills en pur 1v1. Tu peux faire des outplays avec ton ulti. C'est bien, mais ça reste un tank quand même. Alors qu'avec un Rumble ou quelque chose comme ça, c'est là où Odo Amné était plus fort. C'est à l'époque de Kennen AP au Worlds, où il détruisait absolument tout le monde, Odo Amné. Il jouait Kennen Rumble et il était absolument monstrueux. Et j'ai envie de le revoir sur ce genre de pick. Ces picks un peu AP teamfight qui peuvent carry cette équipe des Shuki, parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais, il manque un truc, genre. Parce que même si Jankos arrive toujours à se feed un peu, c'est jamais vraiment fou, quoi. En fait, le scénario sur les deux games, c'est en mode la botlane se fait entre guillemets soit ouvrir avec beaucoup de gank, soit ça va even, mais le scaling est à l'avantage Fnatic. Et derrière, midlane, il y a pas mal de trades, il y a pas mal de moves, mais il n'y a pas de réel avantage qui part d'un côté comme de l'autre. Et assez souvent, c'est au top où il se passe des choses. Et en fait, c'est plus le decision making de Fnatic qui est meilleur, tout simplement, sur les rotations. Très souvent, en fait, les deux games, c'est eux qui prennent la tour en premier. Ouais, le first blood de Tourelle. En fait, ça leur ouvre la map, tout simplement. Ça leur ouvre la map parce que ils peuvent après dérouler le jeu, aller envoyer cette botlane en topside ou inversement et vraiment continuer à snowball sur leur lead. En tout cas, 2-0 pour Fnatic contre H2K. Pour le moment, cette équipe qui est on fire. Mm. On va voir si H2K arrivera à faire un petit peu l'exploit comme Misfits hier avec ce River Sweep, et ce sera juste après la pub, donc à tout de suite les potes.